Rebonsoir, c'est Amor 311. Rebienvenue sur ce Deathplay de Silent Hill 2. Dans l'épisode précédent, j'avais retrouvé Maria dans le sous-sol. Et j'ai trouvé aussi les deux bagues qui vont me permettre d'ouvrir cette fameuse porte avec le portrait dessus. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Ok. Je dois descendre, c'est ça? Je crois que ça va me permettre de sortir. Normalement, je vais pouvoir sortir par là. Elles sont toutes fermées, les portes ici. Oh putain, encore le sous-sol? C'est quoi cette affaire? Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir derrière? Ok. Putain, c'est quoi ce bruit là? Merde! Putain, c'est quoi ça? Why? Non. Ah oui! Oh putain, c'est pyramide rouge! Why? Putain, il en a bien après Maria. Vas-y, arrête de marcher, Maria là! Avance! Allez, dépêche là! Putain, oui, la porte! Oui! Allez! Oh non! Oh! T'es dans la merde! C'était inévitable! Désolé, hein! On peut l'avoir un petit peu derrière la porte de l'ascenseur. Donc là, c'est triste pour lui parce que... en fait, ça lui donne l'impression qu'il revit la mort de sa femme, en fait. Aïe, aïe, aïe. Pauvre James. Une petite arme torturée. Désolé. Alors, là où je dois aller, je me souviens que c'est là. Alors, là je récupère la carte. Qui n'a pas le courage de s'exposer au regard de l'abîme, n'a pas non plus le courage d'y jeter le regard. La vérité en marchant. Suivre la carte, il y a une lettre et une clé de serrage. Alors, je crois que c'est le fameux appartement. C'est quoi ces putains de carrés blancs? Putain. D'accord. Ok. Eh ben, ça, c'est la fameuse statue. Et le truc d'histoire ou je sais pas quoi, là. En fait, il y a un musée d'histoire. Et je vais devoir y aller. Clé de la hall de l'hôpital. Ça, c'est pour me barrer, quoi. Ah, la petite Laura. Tu te balades tranquillement dehors à cette heure-ci, il n'y a pas de souci. C'est normal. Bon, voilà, l'hôpital, c'est terminé. Ça s'est terminé tragiquement avec la mort de Maria. Maria est morte, je n'ai pas pu la protéger. Une fois de plus, je dois admettre mon impuissance. Laura s'est enfuie quelque part. Voilà, c'est comme je dis, hein. Il a l'impression de revivre encore une fois la mort de sa femme. Est-ce bien vrai? M'attends-tu vraiment? Où est-ce ta façon de prendre? Je vais retrouver Marie, c'est mon dernier espoir. Ok. Par là, je crois que de mémoire, c'est fermé, c'est bloqué. Ouais, c'est bloqué. Donc le truc le plus proche... Ah. C'est le truc du cimetière, mais je crois qu'il me faut une pelle. Et je crois que la pelle, il me la faut à l'appartement. Bon. Attends, pourquoi il y a un cercle? C'est pour dire l'hôpital. Bref. Ok. Je suis pas tout seul là.
Ah, des infirmières dehors. C'est normal, hein, c'est un peu le secteur de l'hôpital. Ok. Là, je crois que c'est bloqué, de toute façon. Je suis pas sûr, je vais jeter un œil. Je sais plus où c'est exactement, mais... je vais esquiver de près. Je sais plus où c'est exactement, mais je crois qu'il y a un camping-car quelque part. Ça va m'amener vers un lieu assez spécial. Je me rappelle plus où est ce camping-car. Putain, mais j'ai fait le tour. Ok, c'est bon, là je suis revenu dans le bon sens, enfin je crois. Voilà, là il y a des... Il y a de la vie, une trousse de soins et puis... Et puis une boisson. C'est tout. Et là il y a des balles, c'est ça? Balles de pistolet. Et une ampoule. Eh ben, ça valait le coup de passer par là. Donc ici c'est bloqué. J'ai trouvé pas mal de choses, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a par là? Rien du tout. Je sais qu'à un moment donné, il y a un camping-car, mais je sais plus où il est exactement. Si je trouve, ça serait pas mal. Attends, où je suis exactement? Ok, je suis ici. Bon, j'ai pas m'aventurer dans toute la ville. J'ai juste allé au secteur important. Hein. Si je trouve quelques trucs, ça serait pas mal. Oh putain. Oh putain. Je passe à côté. Je passe très près des monstres là. Alors attends, où est-ce que ça m'amène ici? Ok. Je vais faire un tour par là. Putain, j'aimerais bien trouver ce fameux camping-car. Parce que je sais qu'il y a une carte et ça mène à un endroit assez spécial. Bon, là, c'est fermé. D'accord. Vas-y. Balle de pistolet. C'est bien. Il n'y a rien ici. Donc ici, c'est bloqué, quoi. D'accord. Vas-y, par là. Je crois que j'ai arrêté de prendre les objets parce qu'il y en a tellement dans la ville. Et j'ai tellement un inventaire blindé que... Ça vaut pas le coup, quoi. Ah! Il est marqué un truc, là, non? Ok. Y'a rien du tout. Alors là, ça va m'amener de quel côté? Ah! Ok. Ouais, ouais, je me souviens que c'est le bon chemin, ici. Ah, il y a des monstres chelous en dessous. Je crois que de mémoire, ça sert à rien, on peut pas les tuer. Donc je vais me contenter de passer. Ah putain, j'ai quand même évité de passer juste au-dessus d'eux parce que... Alors... Je crois que le camping-car, il est juste derrière cette porte. Je suis pas sûr. Ouais, voilà. Voilà. C'est pas un camping-car, c'est juste... Vas-y, mais prends la trousse de soins. C'est juste... une caravane. Ok. Une salle de sauvegarde. Attends, il y a un mémo sur le sofa. J'attendrai au bar Nelly's. Au bar Nelly's. Alors, le bar Nelly's... Ah, c'est pas loin. Ok. Je crois que dans le bar Nelly's, justement, il y a un gros clin d'œil à Silent Hill 3, mais je suis pas sûr. Ah, je tape une save vite fait. Merde. Alors, direction bar Nelly's. Il y a encore des trucs par terre. Fusil de chasse. Ouais, ça je prends. De toute façon, je prends tout. Alors, même pas eu peur. Je l'ai bien vu. Ah, une autre trousse de soins. Donc ouais, hein, c'est comme je disais dans l'épisode d'avant, je trouve qu'ils mettent... ils mettent beaucoup trop de choses. Il y a encore des trucs, là. Fusil de chasse, c'est bien. Est-ce que c'est ici mon bar? Non,
Là, c'est le Happy Burger. C'est bien. Une infirmière ici? Tu t'aventures un petit peu loin. Ah, attends. Est-ce que c'est ici? Non. Je suis en train de me tailler, là. Faut que j'aille de ce côté-là. Vas-y. Petite boisson. Ouais, dans la ville, on trouve énormément de choses. Ah. Est-ce que c'est ici? Voilà, Nelly's Bar. Ça va être là? Non? Bah si, le bar de Nelly, c'est là. Ouais, voilà. On voit même que la caméra, elle change. Ok. Donc voilà, je tenais à vous montrer cet endroit du jeu. Parce que c'est un endroit, j'ai jamais compris à quoi il servait. Et je pense que c'est un gros clin d'œil, soit à Silent Hill 3 ou soit au 4. Parce qu'il marquait... Attends. Ouais, il y a la traduction. Il y avait un trou ici, il n'y est plus. Et comme dans le 4, il y a, en fait, on navigue entre des trous dans les murs. Je me demande si c'est pas un clin d'œil par rapport au 4. Et peut-être au 3, parce que je crois qu'on y passe aussi à cet endroit-là. Si tu veux vraiment voir Mary, laisse-toi mourir. Mais tu ne peux pas être sûr d'aller où elle est partie, James. Donc ça. Ça, c'est vraiment un petit clin d'œil. Un petit clin d'œil aux autres Silent Hill. Mais c'est aussi un message personnel de que la ville lui fait. Un putain de cadavre. Ça aussi, c'est chelou. Je suis pas sûr, mais le cadavre, il ressemble beaucoup à James aussi. Je sais pas si c'est un autre clin d'œil. Et aussi, la voiture, c'est aussi la voiture du début. Ah, c'est vraiment la voiture du début. Voilà, tout ça c'est bizarre. Alors, Nelly's Bar, ok, j'y suis allé. Letter, je sais pas quoi, je vais y aller. Allez. Je m'en rappelle plus trop ce qu'il y a là-bas, mais je vais y aller. Ça sert à rien de tuer les monstres, parce que de toute façon, c'est plus rapide de les esquiver. Donc je préfère passer, quoi. Alors... Ah bah voilà, je reconnais cet endroit. Ça, c'est vraiment l'endroit du début. On y passe... Enfin, j'y étais passé, quoi. Donc voilà. Maintenant, on trouve... pas mal de choses. Une clé... Enfin, une lettre. Et je crois une clé, aussi. Ou peut-être n'êtes-vous qu'un idiot, la vérité échappe souvent aux mortels. L'ancienne société constitue une partie de l'abîme. La clé de la société est dans le parc, au pied de la femme pieuse, à l'intérieur des terres, dans un coffret. J'aurais besoin d'une clé de serrage pour l'ouvrir. Mon patient l'a enterré là, je le savais, mais je n'ai rien fait. La proximité de cette chose me rendrait mal à l'aise. Je ne cherchais pas la vérité, mais la quiétude. La chose, je l'ai vue moi aussi. Je me suis enfui, mais le musée était verrouillé aussi. Aujourd'hui, personne n'ose plus s'en approcher. Si tu décides de continuer, James, je prierai le Seigneur pour le salut de ton âme. Donc ça, c'est encore la ville qui lui envoie un message. Non, là, on peut y rentrer. C'est bizarre, j'avais en mémoire qu'on pouvait y rentrer. Non, c'est bon. C'est bon. C'est étrange. Je me souviens qu'on rentrait dans un appartement ici. Ou alors c'est plus loin. Attends. Parce que je me souviens, c'était juste devant le genre de statue. Je crois. Bon là, il y a encore des trucs. J'aime pas trop le monstre qui est à côté là. J'aime même point ça. Est-ce qu'il y a quelque chose ici? Non. Mais en tout cas, c'est la bonne direction, puisque les autres chemins, ils sont fermés. Alors, maintenant, faut que j'aille au parc. C'est bizarre, il me semble qu'il faut que je trouve une pelle. Hein. Je suis vraiment pas sûr. Je vais y aller. Hein.
Ok, ça s'est fermé. Alors, le parc. Ah, il regarde quelque chose. Fusil de chasse. Allez, oui. Deux carabines. Ah. J'avais oublié qu'il y avait une carabine. Il y a trop d'armes. Beaucoup trop d'armes. Non. Il y a rien ici. Je regarde bien vite fait si... Non, c'est fermé. Putain. Faut que je me barre de là. Ce n'est pas le bon chemin. Alors c'est bien au moins. Ça m'a fait faire un petit détour pour trouver une carabine. C'est bien, mais c'est pas le tout quoi. Ah ouais, donc là je suis devant l'appartement. Je sais pas hein, si on peut y rentrer d'ailleurs. Je vais tester vite fait. Non, c'est fermé maintenant. Ah, il y a quelque chose d'écrit là. Les portes des ténèbres s'ouvrent sur un cauchemar. Ça promet. Changement de musique, c'est ça? Alors, très bien, j'ai atterri de ce côté-là. Ah! C'est quoi déjà, Carole? C'est un je sais pas quoi là. Je m'en rappelle plus c'est quoi. Putain, ils auraient pu marquer quoi. Ah bah c'est l'hôpital. J'ai fait un vieux détour. C'est quoi ça? À mon avis, ça devait être bloqué. Sinon, il m'aurait pas. Ça m'aurait pas amené comme ça. Je pense, hein, après. Je regarde vite fait, non. C'est bien. C'était bloqué sur ma droite. Donc, direction le parc. Je suis plus très loin. Voilà. Ah, j'ai suivi de près celui-là. Voilà, nous voici au parc. La nuit est en mode ténèbres. Alors, je crois qu'il faut... Je crois que c'est par là. Non. Ah, c'est par là. C'est à un moment donné... Ah, voilà. La femme pieuse. Donc, je passe derrière. Le sol ne se relève qu'à cet endroit. Il y a peut-être quelque chose dessous, veux-tu creuser? Ah, je pensais qu'il y avait besoin d'une pelle, mais en fait, non. Par contre, la clé de serrage que j'ai trouvée, en fait, ça va me servir à déverrouiller le coffre. Voilà, donc, j'ai utilisé la clé de serrage. Voilà. Et ça me donne une clé, une vieille clé en bronze. Et cette clé va me servir à quoi déjà? Et ben, je crois que cette clé, ça va me servir à aller ici. C'est bizarre, moi j'ai... Ah, ou alors je confonds avec le 4. Non, avec le 3, je veux dire. C'est peut-être Ever qui, à un moment donné, rentre dans la maison où il y a la lettre que j'ai ramassée là. Je pense. Ouais, il me semble que c'était plutôt ça. Ok. Bon allez, maintenant, direction... Ah, ils ont remis des trucs ici. Bien. Eh ben, ça fait beaucoup là. Ça fait genre qu'il... Ça fait un peu genre qu'il nous prépare à un boss. Alors maintenant, j'ai du chemin à faire. Ah. Bon allez, je vais la tuer. Elle garde une trousse de soins, je crois. Ouais. Voilà. C'était bien terminé. Vas-y, je vais passer direct. Je suis passé au nez d'une infirmière.
Ouais, donc à mon avis, c'était bien dans le 3. C'était bien dans le 3 où on rentre dans une des maisons où j'avais trouvé la lettre. C'est fermé. Ah oui, j'adore ce tableau. Tableau de pyramide rouge. Jour de brume, reste du jugement. C'est lui. Oui, c'est pyramide rouge. Il y a d'autres tableaux là. Une photo est accrochée là. Il y a marqué quoi? Mine de charbon de Wiltz. Ah ouais. Ça explique en fait le brouillard de cendres. Il ne reste plus qu'une légende vue du lac. Ah, attends, il y a un autre truc. Alan Smith, date de naissance et de décès inconnu. Putain, mais... Ancienne reproduction de cet endroit d'après le style doit remonter aux environs de 1820. Encore? Il était bien moins habitué à l'époque et peu de maisons y avaient été construites. J'avais l'impression qu'à chaque fois que je cliquais, il y avait un autre texte qui se rajoutait. Je crois que même dans le 3, on repasse à cet endroit-là. D'accord, cette photo n'a rien de spécial. Cette photo est accrochée là. Hôpital de Bookhaven, 1880. Cet hôpital a été construit pour faire face à une grande vague d'immigration dans cette région à l'époque de la Grande Peste. Au départ, ce n'était qu'une cabane, puis il a grandi. Une photo du directeur du vieil hôpital de Bookhaven, on dirait qu'il jouissait d'une certaine notoriété dans la ville. Il y a une photo d'un trou profond. Qu'est-ce que cela peut bien être? Alors, mais je sais même que dans le 3, je crois que c'est même à cet endroit-là précis, on récupère un genre d'objet... spécial dans le 3. Et ça débloque... En fait, il y a des objets spéciaux à récupérer dans le 3. Et si on les a tous, je crois que de mémoire, ça déverrouille une fin spéciale. Je crois que c'est ça. Mais en tout cas, quand on trouve tous les objets dans le 3, ces objets spéciaux, je parle, hein. Ça fait quelque chose. Ce couloir, il est interminable. Et le bruit, à chaque fois, il se fait de plus en plus fort. Ah! Donc là, maintenant, je suis arrivé à la prison, quoi. En septembre 1820, prisonnier numéro C221. Je n'arrive pas à lire le reste. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Donc tous remis ménage pour une prison, c'est assez bizarre. Ah, une trousse de soins. J'allais passer à côté de ça. Moi. Merde. Ah. Je crois qu'il visait. Hein. Vas-y, viens là. Ça fait le monstre. Hein. Il y en a un autre. Ces monstres là dans des couloirs, c'est assez chiant. Ce qui te crache de l'acide dessus. Je sais qu'il y a une carte. Où est-ce qu'elle est cette carte? Ok. Tout de même une prison dans le sous-sol du musée d'histoire, c'est assez bizarre. Ah, c'est quoi ce trou? Le trou est sombre mais je ne vois rien. Bah c'est le trou du tableau là. Veux-tu sauter dedans? Est-ce que j'ai le choix? Si je dis non, j'avance pas dans le jeu, alors. Pardon. Ah. Je suis tombé dans un puits. Ok. Alors, ce n'est qu'un mur. Impossible à escalader. Attends, je me rappelle qu'à un moment, que sur un de ces murs... Ah, tiens. Non, il m'a marqué un truc. Alors? Tiens, c'est nouveau ça. Le mur a l'air différent à cet endroit. Je me demande si j'arriverai à le casser.
Alors, je vais essayer avec ça. Voilà. Bien. Ça m'a déverrouillé une porte. Moi, je vais quand même me remettre avec le gun. Vas-y, recharger. Non mais... Il m'a un peu surpris celui-là. Je sais pas si c'est le bon endroit, mais j'y vais. Là, c'est fermé. Là, c'est ouvert. Ouais, faut que j'aille ici. Alors, je trouve une clé. C'est bien. J'ai la clé à inscription vrillée. Ok. C'est verrouillé. Putain, j'ai un problème avec ma torche. Vas-y, j'y remette. Des piles. Voilà. J'ai changé la pile de la torche. C'est plein de cafards, bien sûr. Alors, là, ok, il y a les boutons assez clairs. J'ai essayé ça. Hein. Tac, tac. Non. Vas-y, rappuie dessus, là. C'est ça, tac. Non, toujours pas. Merde, je vais essayer à l'envers. C'est bien. Voilà. Eh oui, hein. La pile, c'est tout ça pour ça. Oh putain, j'adore. J'adore ça. Cette espèce d'effet d'optique. Ça, on trouve ça que dans les Silent Hill. Après, ça a été repris dans les... dans pas mal de jeux. Il y a une porte au fond. La porte est fermée. Bah, utilisez la clé, mon pote. Alors. Pourquoi il voulait pas utiliser la clé? Bien. On n'y voit rien au-delà de la porte. Je ne vois pas jusqu'où vont les ténèbres. Veux-tu descendre? J'adore cet effet d'optique. Ok, où est-ce que je suis tombé encore? Tout ça pour tomber dans la cantine de la prison, c'est ça? C'est vraiment étrange. Ok, c'est Eddie. Qu'est-ce que tu fous là, Eddie? Lui, il est vraiment chelou. Il est pas net. You killed him? But it wasn't okay. My fault. He made me do it. Calm down, Eddie. Tell me what happened. That guy. He had it coming. I didn't do anything. He just came after me. Besides, he was making fun of me with his eyes, like that other one. Just for that, you killed him? What do you mean, just for that? Eddie. You can't just kill someone because of the way they looked at you. Oh yeah? Why not? Till now I always let people walk all over me. Just like that stupid dog. He had it coming too. Eddie. I was just joking, James. Un de ces gros psychopathes. That's what I thought here, honest. Anyway, I gotta run. You're going out there alone? Yeah. Eddie? Mouais. 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 Eh ben, tout ça, c'est pas net, moi, je dis. Bon. Sûrement que je vais retrouver Eddie. Bientôt. J'espère que ça t'a plu. La suite au prochain épisode. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mets le pouce vert, abonne-toi si c'est pas déjà fait. Là c'est précédent, épisode 1 suivant. Là je sais pas pourquoi il est trop gris. Je vois même pas ma station.